La pomme de terre est un légume facile à cultiver, aux qualités nutritives indéniables. On peut la cultiver partout, même en pot sur un balcon ou une terrasse. Ça manque un petit peu de fleurs sur ta terrasse, non? Ouais, mais les fleurs, c'est pas mon truc. Et les légumes? Les légumes. Oh. Cadeau! Merci beaucoup. De rien. Et c'est des pommes de terre? Eh oui. Tu sais quoi, on va planter des pommes de terre 100% naturelles. On y va? Ouais. Allez, viens, on y va. Comme Suzanne, beaucoup de gens ignorent que l'on peut facilement faire des légumes en pot. En plus, manger sa propre production, c'est tellement sympa. Bon, alors, c'est des pots de combien, ça? C'est 40 x 40, à peu près? Et 40 de profondeur? C'est ça. C'est assez grand, hein? Oui. Alors, on a coutume de dire qu'il faut 10 litres de terre pour un pied. Alors là, avec ce magnifique bac violet, eh bien, on va leur laisser encore plus de place. Il vous faut du terreau pour carré potager, riche en nutriments parce que la pomme de terre est très gourmande. Et des billes d'argile pour le drainage. On commence? Allez, on commence. Une jaune pour la purée et une rouge pour les pommes de terre sautées. Pour le balcon, on choisit des plants germés, prêts à planter. C'est plus simple et plus rapide que les plants non germés. Petite précision, prenez des variétés tolérantes au mildiou. Même sur les balcons? Oui, parce qu'en ville, il y a aussi des maladies. Si vous êtes un peu perdu pour choisir, demandez conseil en magasin. Vous y trouverez de nombreuses variétés pour tout usage culinaire.